Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. А tous aujourd'hui c'est Rick Kouvap. J'espère que tout le monde va très bien. Mon perso, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où c'est que je vais vous présenter encore des produits donc d'aromé liquide. Donc, je crois que je n'avais pas fait de vidéo pour celle-ci, pour la présentation, parce qu'elle avait bugué. Donc, c'est le Yellow Freeze. Le Yellow Freeze, qui sent très bon d'ailleurs. C'est des fruits exotiques. Je vous marquerai dans la description exactement ce que c'est. Je m'en souviens pas, j'ai pas pris mon petit bout de papier. Donc, on va essayer ça tout de suite. Allez, on est parti. Voilà. Allez. On va mettre quelques gouttes et puis on va goûter ça. C'est parti. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tu vois bien. Allez, attendez. Allez. Donc c'est un produit que j'ai laissé assez macérer longtemps. À peu près, ça fait plus d'une semaine qu'il macère. Donc on va goûter ce qu'il donne exactement. Allez, c'est parti. Donc là, je suis... Allez, je vais monter à 40 watts. Je suis à 0,24 ohms. OK. Oh, très très bon. Oui. Je sais ce que c'est. C'est du citron vert. Hey, sans lire, je sais. C'est du citron vert, citron jaune et du pamplemousse. Alors je vous dis tout de suite, c'est excellent. Je vais monter un wattage, je vais me mettre à 46 watts. Ah, c'est une recette qui est vraiment excellente. Donc c'est une recette d'aromé liquide. Hein. Voilà. Donc le Yellow Freeze, vraiment bien, vraiment bien. Alors, à l'intérieur, vous avez le goût du petit citron. Les citrons mélangés avec le pamplemousse qui vous reste en bouche. Quand vous le recrachez, ça, c'est une odeur. Vraiment une odeur géniale. Oh là là là. Et puis ça reste en bouche, c'est vraiment bon. Descendre un petit peu en wattage, on va se mettre à 44. Donc moi c'est un truc que je vous conseille de vapoter un petit peu à chaud, mais c'est très bon. C'est très 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 bon. Moi je vous le conseille vivement. Si vous aimez tout ce qui est agrumes, ça reste en bouche, c'est vraiment magnifique. Ça pète un petit peu là-dedans, je pense que la résistance commence à... Mais j'ai encore le goût vraiment bien. Ouais. Alors si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Et puis, partager. Ça me ferait également très très plaisir. On va se retrouver très très bientôt de toute façon pour une prochaine vidéo. Parce que j'ai encore deux articles à vous faire. C'est vraiment bien. Je vous le conseille. Donc, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rick Kouvap. Passez une excellente journée. Et vapez bien, les vapoteaux.